je suis Diane Lura, je suis directrice comptabilité et contrôle de gestion. Je vais vous parler un peu de mon parcours. Je suis arrivée en fin 2014, donc il y a 7 ans maintenant chez SFG. Je suis arrivée en tant que chef comptable. J'ai pu avoir une promotion en tant que contrôleur de gestion et maintenant directrice comptabilité et contrôle de gestion. Donc la promotion interne, donc j'en suis un exemple, mais on en a plusieurs au sein de SFG et c'est l'ADN de notre société. J'ai effectivement une double casquette, hein, j'encadre une équipe de 10 personnes au niveau de la comptabilité. Donc je supervise cette équipe, nous faisons des clôtures mensuelles, donc nous devons rendre des comptes à notre actionnaire chaque mois. Donc ça permet également à la direction en interne de bien piloter en termes de stratégie, en termes de coûts. Et j'ai aussi la casquette contrôleur de gestion, où là je suis plus dans une analyse des coûts. Je calcule la rentabilité des affaires. Nous avons au préalable un budget que je constitue en transverse avec les différents services. Et ce budget est communiqué à notre actionnaire et c'est un peu notre ligne directive de l'année. Au fil du temps, on voit que notre budget n'est plus ou moins valable puisque nous avons rentré de nouveaux clients, donc de nouveaux investissements. Du coup, on va à ce moment-là faire ce qu'on appelle des forecasts, des prévisions. Et grâce à ça, voilà, nous arrivons à bien piloter, enfin la direction, grâce à ça, arrive à bien piloter et à bien amener les résultats en fin d'année avec ce qu'attend finalement notre actionnaire. Alors, ce qui m'anime, c'est justement faire monter en puissance l'équipe, améliorer les process au quotidien par rapport à nos partenaires, nos clients, voilà, optimiser tous les flux pour rendre le plus propre possible nos relations à l'extérieur comme en interne. Le service est scindé en 3 parties, donc il y a la comptabilité générale, la comptabilité qui va s'occuper de nos partenaires stations techniques et une autre partie qui gère tout ce qui est facturation client, côté client. Nous gérons plus de 6000 factures côté partenaires techniques. On va se moderniser. La crise sanitaire nous a montré qu'il fallait qu'on se modernise d'ailleurs, hein. Donc, pour réduire les délais côté facturation, virement. Il y aura plusieurs axes, donc ça sera en interne pour une partie, donc je travaille avec le service informatique et aussi avec des prestataires externes pour faire des développements spécifiques à nos outils.